Profiter d'un peu de fraîcheur en pleine nature, voilà ce qui a motivé les nombreux visiteurs du jour à se rendre au lac de Masseret. On est venu avec les enfants pour la baignade et on compte rester toute la journée. L'occasion aussi, en ce début de vacances, de se retrouver autour du traditionnel pique-nique. C'est entre amis, en famille. Nous avons des petits-enfants qui sont dans l'eau, là-bas, en train de faire les 400 coups. Voilà, et on est venu déjeuner, tranquillou. Autour d'un verre, ou à l'ombre des arbres, chacun semble y trouver son compte. Un peu chaud pour nous, mais bon, ça va, c'est supportable. À l'ombre, ça va. D'autres, au contraire, profitent de ce dimanche ensoleillé pour parfaire leur bronzage. Ça chauffe un peu, mais on s'hydrate et on met de la crème, donc on va bien bronzer et on essaye de pas trop cramer, oui. Et les températures vont encore grimper avec des pics de chaleur avoisinant les 40 degrés prévus en fin de semaine prochaine. Alors pour ce sauveteur, la prudence est de mise. Il va falloir faire attention à mettre de la crème solaire avant d'aller se baigner. Peut-être mettre un peu d'eau sur la nuque et tout avant de rentrer complètement dans l'eau. Pas rentrer d'un coup, si on a chaud. Il y a quand même des risques d'hydrocution. Il est également déconseillé de se baigner juste après déjeuner afin de minimiser les risques. Une fois toutes ces mesures prises, il ne reste plus qu'à se jeter à l'eau, avec ou sans maillot.